Hey les gens, c'est Batou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Duskwood où on va pouvoir continuer le mode histoire. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à moi surtout sur la chaîne. On a été de l'ombre sans vidéo. La chaîne a été longtemps inactive pendant 2 mois presque, mais plus. Je comptais pas forcément faire du Duskwood pour la rentrée, mais j'ai eu un petit problème de logiciel pour monter une vidéo, donc on fera du Duskwood pour la rentrée. Je vais continuer du coup le mode histoire de suite. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que ce soit au travail ou dans toute école possible. Et que vos vacances se sont bien passées aussi. Parce que j'ai pas fait de vidéo pour les vacances. Donc, on en était où? Ah oui, il y a des mini-jeux. Donc, on va commencer. Histoire de bien entamer les choses. Je sens que je vais me faire niquer, moi. Ah, voilà. Bon, Dan a envoyé à Cléo un message. J'en ai assez, ta mère a persuadé la mienne de participer dimanche. Sinon, elle va bien, non? What the fuck? Il y a Cléo qui est en train de parler. Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire cette battue? Tu l'as déjà vu marcher, et maintenant il faudrait en plus qu'elle traverse la forêt, pendant plusieurs heures si ça se trouve. Oui, et alors? Elle n'est pas obligée de faire ça pendant des heures, et puis si elle a envie de le faire, c'est son problème, Dan. Moi je le trouve bizarre. J'ai vu ça trop souvent, j'en ai marre, Cléo. Je le trouve bizarre, moi, Dan, pour le coup, parce qu'il y a des trucs qu'il dit, c'est bizarre. C'est là le truc avec sa mère. Pourquoi il veut empêcher sa mère d'y aller? Je pensais à toi, justement. Pourquoi, au juste? Je me demandais ce que tu étais en train de faire. Pour être franc, je me prenais la tête avec Dan. Ah. Comme c'est bizarre. Tu ne t'attendais pas à ça. Hein.
Je suis là. Vu le comportement de Dan, ça ne m'étonne pas. Je suis là si tu veux. Bah, c'est à cause de la battue dimanche. Il m'en veut parce que ma mère a persuadé la sienne de participer. Oui, et alors? Son genou l'a fait beaucoup souffrir et il se sent responsable d'elle. Ok. Et comme Dan est Dan, tout est de ma faute maintenant. D'accord. Il veut sûrement que tu arranges ça. Oui, hein. J'étais sur le point d'écrire à ma mère pour qu'elle dise à Sophie de ne pas participer finalement. Si tu ne m'avais pas écrit juste là. Merci de m'avoir écouté. Merci, je ne suis presque plus en colère. Ok. De rien. C'est un plaisir. J'espère que je pourrai te rendre l'appareil un jour. Je n'hésiterai pas à te le rappeler. Ouais, on a de la mémoire ici. Donc, Jesse Ritchie, tu étais où? Je croyais que tu étais à l'atelier. Je voulais juste te dire que je rentrais chez moi. On se voit demain. Ok. Cool. Combien de mini... Oh, 3! Oh, ils nous font chier. Ah. Deuxième clé de sortie, ça c'est bien. Hop là. Hop là. Faut pas que j'oublie les petits trucs par contre. Hop, première clé, ça c'est fait. Bon, on a sorti toutes les clés pour le moment. Oh, ben voilà, ça s'est fait. D'ailleurs, facile celui-là comme niveau. Tant mieux, on va dire. Rien pénible, le putain de... D'enregistreur là, j'ai besoin de ton aide et vite. Bien sûr, Jessie. Je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Une tenue, oui, d'accord. Ou ça? Je te recommande la deuxième option. Oui, tu as totalement raison, merci. Dans le cas, j'aurais dit les deux. Elle m'aurait dit ça, donc bon. J'ai un rendez-vous galant. Tu vois qui? Alfie? Allez, dis-moi.
Très bien, tu peux me poser une question à propos de cette personne. Il est Nadine de Scoud? Oui, en effet. Richie? Non. Merde. On dirait que ça va rester mon petit secret. On peut parler encore un peu. Juste comme ça. Quoi? Oh, hé, oh, tu vas te calmer. Tu sais quoi, je préfère passer ma soirée avec toi. Ah, cool. Cette personne ne mérite pas que je porte avec elle ce soir. Bah tout, voilà, on a un rendez-vous galant et toi et moi. Ah, cool. Un rendez-vous galant virtuel. Je n'ai jamais encore fait fait un truc pareil. Tout comme moi. Bon, bah tant mieux. Alors attends, je vais aller me chercher un truc à boire. Toi aussi, tu vas te prendre un truc à boire? Avec plaisir. Avec alcool, évidemment. Ça va sans dire. C'est bon, j'ai mon verre, tant mieux. Du jus d'orange, ça craint. Et toi? Du jus, moi aussi, un truc alcoolisé. Bah oui, on est des bonhommes, gros. À nous, Batou. À nous, Jesse. Anna. Mais non, mais ça va pas, non. C'est qu'on la recherche, mais bon, pas de là. Bon, ça c'est fait, on va pouvoir discuter maintenant. Pose-moi une question. Avec plaisir. Attends, je viens de repenser à un truc. La dernière fois, tu as posé deux questions. Possible. Si, si. Quand on aura un vrai un rendez-vous, tu es plutôt resto ou ciné? Cinéma. Un film d'horreur, ça te dirait? Oh, bah. Avec plaisir. Quelle question. Non mais. Ok, j'ai encore une question. Tu préfères Cléo ou moi? Toi. Hihi, tant mieux. Ok, tu penses à quoi là? À toute cette histoire en fait. Non, non, je ne pense pas. Beaucoup de choses ont changé depuis qu'Anna a disparu. Je peux comprendre. Et ça fait 10 minutes que je suis devant, je vais rentrer. Tu veux que je te commande un truc à boire aussi? Ah, mais c'est avec Dan qu'elle devait faire un rendez-vous. Tout ça, ça craint franchement. On commence à suspecter nos propres amis. Ben oui, tout le monde suspecte quelqu'un. Tu sais si quelqu'un te suspecte, toi? Je ne sais pas. Cléo et moi, on se dispute souvent ces derniers temps, mais est-ce qu'elle me suspecte? Alors là, non, je l'aurais remarqué. Je sais. Ça se voit, les choses comme ça, dans le regard. Ah ben non, il n'y a que Richie, mais pourquoi de Richie? Il est sympa. Sympa, vraiment? Quoi? Il est pas sympa? Très sympa. Oui, très sympa. Assez parlé de Richie. On en a parlé très peu, hein.
J'ai bien aimé notre rendez-vous galant. On n'a rien parlé, on Rien. a dit que dalle. Demain, même heure, même endroit. Hihi. Oh là là, le petit bisou cœur. Tu es où? Il y a Dan qui commence à s'énerver. Salut. Eh bien, salut. Un mini-jeu seulement. Ok, cool. On va essayer celui-là. J'ai bien dit essayer. Hein. J'ai pas dit que j'y arriverais. On va faire ça. Ce serait bien qu'il passe de l'autre côté là. Voilà. Perfect. Oh là là, il nous reste pas mal de coups pour la deuxième clé. Ça sent bon ça. J'aime ces plans là. Oh là là, tout se passe comme je l'imaginais. Donc vraiment bien. Oh là là, mais ça fait pas. Bah voilà, bah voilà, bah voilà. Mais c'est parfait ça en fait. Si ça pouvait se passer tout le temps comme ça. Je collecte et je prends. On continue. Dan, salut. Ah, salut. Je sens qu'il va être très, très agressif. Je m'ennuyais. Donc tu viens me parler quand tu t'ennuies, toi. Et là, j'ai vu que tu étais en ligne. Ah, cool. On peut parler si tu veux. Cool. C'est celui que je suspecte le plus avec Thomas. Pour te dire, on m'a posé un lapin. Oui, je sais. Mais comme je suis super con, je suis toujours assis là à attendre qu'elle débarque. Et est-ce que tu mérites qu'on te pose un lapin? Complet, oui. Ah. Tu es où là? Je le rejoins pas, je le rejoins pas. Non, non, non. Au Black Swamp, un resto hyper chic au bout de la rue Royale. Tu peux venir, je te paye un whisky. J'aimerais pouvoir. Je comprends, tu n'es pas de Deus Coude. Absolument. Tu sais ce qui fait le plus chier? Langage, t'as de l'humour. Je n'avais pas encore remarqué. Mais ce qui fait le plus chier, oui. C'est qu'elle m'ignore complètement. Peu importe ce que je lui écris. On dirait que tu l'aimes beaucoup. J'imagine même pas à quel point. Oh! Ah, carrément. Leur whisky est vraiment bon ici. Mais il coûte un bras. Je t'ai déjà dit que je tournais au whisky. C'est pas ça qui va te ramener la fille. Allez, paf. Prends ça dans les dents, là. Le suspect. Mais ça va pas la faire fuir non plus. Non. Mais ça va pas l'attirer non plus des masses, quoi. On dirait que j'ai fait fuir la table d'à côté, ce trou craint affranchement. Non, c'était toi qui crains, putain. Et toi, t'as déjà fait copain-copain avec tout le monde ici, pas vrai? Pourquoi? Je suis plus sympa que toi, et alors? Tu ne t'étais encore jamais intéressé à moi jusqu'ici. Si. Ah. Et je dois faire quoi alors? Mieux parler peut-être, non? Ce serait déjà une bonne base. Les types comme moi mettent toujours les pieds dans le plat, qu'on le veuille ou non. Tu crois?
Je pourrais te suspecter si je te connaissais mieux. Yep. Bon, je le connais pas et pourtant je le suspecte quand même. Mais on dirait que tu vas justement apprendre à me connecter maintenant. Tu vas voir, je suis cool. Ok. C'est sûr que je suis un peu cinglé, mais à part ça. Mais les autres sont pareils. Alors, ils le cachent mieux, c'est tout. Oui, bah, le cache le mieux alors. Cléo, c'est une vraie fouineuse. Et je ne parle même pas de sa mère, Richie. Richie, Richie, Richie. Oh, dis comment il balance. Oh, la balance, eh. Oh, dis, il a un pavé sur Richie, là. Il n'y en a que pour son boulot, boulot, boulot de merde, là. Hein, va. Avec la concurrence, il pourrait fermer une boutique d'ici un mois. Mais tout va bien, merci bien. Tu as fait une faute. On s'en fout, non? J'ai juste bu un. Il est bourré comme ça, on sait qu'il dit les tiers, c'est ça. Dis. Je trouve ça drôle. C'est triste. Et que penses-tu de moi? Je te le dirai quand on se connaîtra mieux. Bon, oui, bah d'accord. Je vais m'en commander un autre. À la tienne. J'ai fait quelque chose de mal, Batou. Oh là! Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, avoue-moi, avoue-moi. Oh, moi, je saurai, putain. Thomas est allé dans l'appart d'Anna. Sans blague, merci. Je lui ai dégoupillé une clé. Tu sais que la police le soupçonne? Oui, je sais. Ouais, j'y ai presque ouvert la porte. Quoi? Genre. Oui, continue. J'ai hésité à mettre la phrase du dessus, hein. Mais c'est aussi mon pote. Je suis pas sans cœur non plus, hein. T'as déjà vu que ça aussi. Rien. Ton pote pense que sa copine le trompe. Et toi, tu l'aides à découvrir le poteau rose. Et j'ai en tout mec qui lui a fini. Il faut juste qu'il le récupère. Voilà une info très intéressante. J'aime les devinettes. En voilà une. Le bracelet que notre Tommy a récupéré, il y a des initiales dessus. JH. JH. Je suis sûr d'un truc, c'est le kidnappeur. Et c'est qui, à ton avis? Bah, c'est toute la question. T'as qu'à chercher. Oh, bah, ça va, oui. Pour faire tout le boulot, hein. Je vais rentrer chez moi, j'en ai assez dit. Pense à m'écrire quand tu es arrivé. Il le fera pas. Top là, Batou. On s'est bien marré. Enfin, il s'est bien marré surtout, oui. Il est bien marré tout seul. Trois mini-jeux encore. Oh merde, hein. Commence à me prendre la tête, ça. Bon, si j'y arrive pas, je vais stopper la vidéo, je pense. Mais comme je suis fort, je vais y arriver. Ah là là.
Écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur The Squid, la suite de l'histoire, du mode histoire, enfin du mode histoire, de l'histoire de The Squid. J'ai plutôt bien apprécié cet épisode parce qu'on a parlé beaucoup avec Dan, on a appris pas mal de choses, notamment que Thomas avait des doutes sur la fidélité de Anna. On a vu que la mère de Dan avait des problèmes au niveau de son genou, et du coup, bah voilà, que c'était la mère de Jesse qui lui a persuadé d'aller à la battue pour rechercher Anna. Et Dan, ça le rend furieux. On l'a su ça dans la discussion entre Jesse et Dan, enfin entre Cléo et Dan. Et on a vu entre Jesse et Richie, je sais plus ce que c'était, il voulait dire un truc, il me semble. Jesse et Dan devaient, eux, par contre, faire un dîner. Jesse a préféré faire un date sur les réseaux avec moi. Et du coup, Dan, on l'a eu Dan furieux, qui a bu un whisky et qui a bu plus qu'un whisky, selon moi. Voilà, ça c'est petit résumé de cette vidéo. Ça vous a plu, si je vous ai plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications, à vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, à ma chaîne Twitch ainsi qu'à mon compte TikTok que vous retrouverez dans la description. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye.